Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend. Merci d'être avec nous en ce samedi soir. Avant de vous présenter mes invités avec qui nous allons débattre des deux principaux thèmes politiques de la journée, le meeting d'Anne Hidalgo et les quasi-meetings du quasi-candidat Éric Zemmour, place à l'information et c'est avec vous, Chana Lousteau, bonsoir. Bonsoir Loïc et on commence ce journal avec la contraception gratuite pour les femmes âgées de 18 à 25 ans. L'Assemblée nationale a adopté cette mesure à l'unanimité dans la nuit de vendredi à samedi. 3 millions de femmes sont potentielles concernées par cette extension et pour certaines d'entre elles, vous allez le voir, c'est un soulagement. Reportage Oslem Ounal et Swazik Oulier. Dès le 1er janvier, les jeunes femmes de 18 à 25 ans n'auront plus à débourser un sou. La pilule contraceptive devient gratuite pour elles. C'est une très bonne chose, puisque déjà entre 18 et 25 ans, on a un âge où financièrement on n'est pas très stable. Je pense que rendre gratuit, ça va faciliter les choses. Et éventuellement le dialogue. Je pense que si c'est gratuit, potentiellement, elles pourront en parler également en pharmacie. En effet, pour ce pharmacien, cette mesure va permettre de lever un tabou. Si c'est pour éviter des IVG, c'est hyper intéressant, c'est important parce qu'on en arrive à des complications à la fois médicales, mais aussi d'ordre psychologique. Jusque-là, la pilule était gratuite uniquement pour les mineurs. Or, pour le ministre de la Santé, il fallait agir et étendre sa prise en charge à plus de femmes, certaines renonçant à la contraception à cause de son coût. Si cette députée se félicite de cette avancée, elle aurait souhaité aller plus loin. J'avais déposé un amendement afin d'étendre cette mesure jusqu'aux 31 ans. C'est une préconisation à la fois du planning familial et du Haut Conseil à l'égalité. La consultation chez un médecin pour obtenir une ordonnance devient elle aussi gratuite. Au total, 3 millions de femmes seraient concernées par cette mesure. Et la campagne vaccinale contre la grippe a débuté ce vendredi. Alors si vous avez plus de 65 ans ou que vous souffrez de certaines pathologies, eh bien vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe saisonnière gratuitement. Une campagne dans un contexte sanitaire toujours marqué par l'épidémie de la Covid-19. Et vous allez le voir, dans certaines pharmacies, entre le vaccin contre la grippe et celui contre le coronavirus, il a fallu trancher. Écoutez. On a décidé de privilégier les vaccins de la grippe pour ce premier jour. Donc on a un petit peu mis de côté la vaccination anti-Covid. Et pour être franc, aujourd'hui on va se dédier, voire les prochaines semaines, on va se dédier essentiellement à la vaccination de la grippe. Parce que la vaccination du Covid, c'est moins de gens, moins de personnes, mais ça prend plus de temps parce qu'il faut une attente de 15 minutes. Il y a un suivi un peu plus sérieux à avoir. Donc on préfère aujourd'hui s'occuper de la vaccination contre la grippe. En Allemagne, le pays fait face à une remontée du nombre de nouveaux cas de coronavirus, une hausse qui touche toutes les tranches d'âge. Le gouvernement allemand prévient que la situation risque de s'aggraver à l'approche de l'hiver. Écoutez le ministre fédéral de la Santé. Il a toujours été clair que durant cet automne et cet hiver, nous avons encore besoin de mesures de protection et en même temps, après 19 mois, également grâce au progrès, nous pouvons mettre fin à l'état d'urgence de la situation épidémique. C'est désormais un état de précaution particulière. Nous devons continuer à faire preuve de précaution dans la vie de tous les jours. Une situation normale ne sera possible qu'au printemps au plus tôt, s'il n'y a pas de nouveaux variants. Balance. Et on termine ce journal avec une bonne nouvelle. L'huître plate pourrait bien faire son retour dans vos assiettes. Cette huître native d'Europe vieille de plusieurs millions d'années est menacée d'extinction. En cause, le saccage de son milieu aquatique et la surpêche. Mais des scientifiques cherchent activement des solutions pour la sauver. Mathilde Ibanez. C'est bon. Excellent. Ouais, super bon. Excellent. C'est pas du tout le même goût que les huîtres creuses. Hein. Vous connaissiez les creuses, voici les huîtres plates. Une variété ancienne, aujourd'hui menacée. Pour ne pas la voir disparaître, des scientifiques français n'hésitent pas à se jeter à l'eau. Objectif, restaurer les derniers bancs sauvages. On s'est aperçu qu'en offrant un support idéal pour cette espèce, on pouvait réussir à capter ces jeunes larves et à les faire grandir sur ce support et donc reconstituer ce qu'on appelle une huîtrière. Pour éviter qu'elles ne disparaissent, ces scientifiques ont eu l'idée d'installer des supports en métal pour que cette espèce qui a fait la réputation des huîtres puisse se fixer dessus. C'est vraiment celle qui est entrée dans la gastronomie au 19e, celle que mangeaient les rois de France, etc. Ça aurait été dommage de voir un produit aussi emblématique de la gastronomie disparaître. Un goût plus fort en bouche, plus iodé, l'huître plate atteint aujourd'hui les 1500 tonnes par an en France, contre près de 90 000 pour l'huître creuse.
Voilà pour le journal. Merci Chana Louston. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Avant de vous présenter mes invités et de débuter notre débat, le zapping politique. Il vous est préparé ce soir par Camille Baron. Nous, notre objet, c'est pas d'être par rapport à Éric Zemmour, mais c'est d'être pour les Français, avec les Français. Et donc là, nous avons un bilan à défendre et il est tout naturel que nous allions à la rencontre des Français pour avoir leur ressenti. La République En Marche ne suit pas Éric Zemmour. Pour le coup, on a des comités dans tous les départements. C'est normal que nos comités, avec le tract bilan de la majorité présidentielle sur les 50 plus, effectivement, c'est partout sur les territoires. Donc là, on a effectivement notre porte-parole, une de nos porte-paroles, qui est dans le même endroit que Éric Zemmour. Enfin bon, on n'installe pas le match avec Éric Zemmour, pardonnez-moi. On est sur des démarches complètement différentes. Vous me parlez d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il fait en sorte que les gens viennent à eux. Nous, on va vers les gens. Éric Zemmour fait signer son livre dans lequel il parle de lui. Nous, on distribue des tracts pour parler des Français. Donc je pense que la démarche, elle est complètement différente en tout point de vue. Cette séquence de tractage, elle est organisée depuis un petit moment, maintenant plus d'un mois, parce que c'est une séance de tractage du département. Donc on a ici avec nous des marcheurs qui viennent de Caen, on a des marcheurs qui viennent de Deauville, on a des marcheurs qui viennent de Touques, on a des marcheurs qui viennent de Trouville. Et puis on a aussi les jeunes avec Macron qui sont mobilisés sur toute la région et qui sont aujourd'hui venus aussi également nous soutenir sur cette opération. Vous avez aujourd'hui beaucoup de commentateurs qui au fond, et je pense à, notamment par exemple à Éric Zemmour, qui ont un discours sur la politique qui confondent audimat et élections, téléspectateurs et électeurs, et qui vous parlent de la France comme d'un concept, qui vous parlent de ces grands problèmes, de ces grandes questions, et au fond, ce serait ça qu'il faudrait mettre dans le débat. Moi, j'ai fait un débat avec Éric Zemmour il y a quelques mois, et on a eu une grande différence. Il m'a dit, moi, je m'en fiche des résultats, je m'en fiche de la vie quotidienne. Nous, je ne vous dis pas que tout ce qu'on a fait est parfait. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, on a un bilan authentique, qu'on peut présenter département par département aux Français, parce que nous avons travaillé sur des enjeux de la vie quotidienne, parce que je pense que, vous voyez, les élections présidentielles, la politique, ça ne consiste pas juste à parler de la grande France, de grands concepts. Encore une fois, moi, je préfère avoir un candidat ou une candidate LR au second tour face à Emmanuel Macron, plutôt qu'avoir Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Moi, je me suis engagé le 21 avril 2002 en politique. J'avais 21 ans, justement, en second tour. Moi, je n'ai pas changé d'idée sur cette question-là. Pour moi, l'extrême droite au second tour, c'est un danger pour notre République, c'est un danger pour notre démocratie. Ouais. Donc effectivement, tous les candidats qui incarnent autre chose que l'extrême droite et le repli sur soi, je suis favorable à ce qu'on puisse avoir ces candidats face au candidat qui est mon candidat, c'est-à-dire Emmanuel Macron. La vérité, c'est que les gens, ils parlent pas beaucoup d'Éric Zemmour quand on vient les voir pour leur poser des questions sur comment ça va dans leur vie, quel type de problèmes ils ont en ce moment. C'est des problèmes de la réalité quotidienne. Ils nous parlent de la hausse du carburant, ils nous parlent des problématiques. Ici, on est à Trouville, ils nous parlent de la pêche, ils nous parlent de l'économie locale, mais ils parlent pas beaucoup d'Éric Zemmour. Tous ceux qui nous expliquent que ce serait de l'électoralisme sont assez ridicules et je leur propose d'aller voir les 38 millions de Français et leur dire que ça ne va pas les aider dans leur vie et qu'au fond, il ne faudrait pas le faire pour des raisons politiciennes. Pourquoi ces attaques et pourquoi cette mesure, d'abord, elle est bien ciblée? On observe deux choses. Tous les pays européens autour de nous font la même chose. Et ils ne la font pas parce qu'il y a des élections qui arrivent, ils ne le font pas parce qu'il y aurait des intentions cachées. C'est-à-dire qu'ils donnent maintenant Ils le font parce que les suites de la crise sanitaire, économique que nous vivons, a créé un choc soudain, inflationniste. J'attire l'attention quand même de toutes celles et ceux qui proposent de baisser les taxes sur le carburant. La première chose, c'est que manipuler la TVA n'est pas possible en droit européen. La deuxième chose, c'est que les taxes sur les carburants, nous sommes à peu près dans la moyenne européenne. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc tous ceux qui appellent à la sagesse en termes de finances publiques seraient bien inspirés de regarder combien coûte cette baisse. Et ensuite, ce n'est pas très cohérent avec ce qu'on veut faire en termes de climat. Je suis surpris d'ailleurs de voir des gens qui nous disent « Vous devriez aller beaucoup plus vite et plus fort sur le climat. » La conséquence de ce qu'ils plaident, c'est l'augmentation des prix des énergies fossiles. Puis dès qu'elles montent, ils nous disent « Vous devriez baisser les taxes sur celles-ci. » C'est le prix du carbone. La philosophie à l'égard de la vaccination, elle devrait être modifiée au vu des faits. C'est-à-dire que on nous a dit que il fallait se vacciner par altruisme, pour protéger les autres. Or, il est maintenant démontré que l'immunité collective, ça ne fonctionne pas. Que malgré la vaccination, eh bien, ça continue à se transmettre d'une personne à l'autre. Compte tenu de ça, en vérité, aujourd'hui, la vaccination est moins
un acte pour l'ensemble de la société qu'un acte pour se protéger soi-même des formes graves. Dans cette mesure-là, s'il s'agit de se protéger soi-même, on pourrait laisser bien davantage à la liberté individuelle le choix de se vacciner ou non, plutôt que ça relève d'une décision collective et qu'il soit imposé de l'extérieur. Et je trouve que ces faits-là devraient amener à un changement d'orientation et non pas à une volonté de toujours plus ostraciser, toujours plus poursuivre, toujours plus menacer les gens qui font un choix différent de la majorité. Est-ce qu'on veut amener au banc de la société 10 à 15% de la population ? Partout en France... Et la vaccination est une nécessité. Absolument. Et même l'obligation vaccinale, je le dis à madame, il y a eu effectivement des professionnels de santé qui ont refusé. Ce qu'on constate petit à petit, chaque semaine, ils viennent, une partie d'entre eux vient se faire vacciner. Bah parce qu'ils sont obligés. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, mais c'est une bonne chose. Pourquoi vous préfériez... Mais non, c'est pas lamentable de se faire vacciner, ma table. Que recommandaient à l'époque les scientifiques ? Je l'ai énoncé ici même cet été, de cibler, d'aller chercher les plus âgés, les malades chroniques, les obèses, ceux qui risquent de faire des formes graves. Mais à la place de cibler, vous avez choisi d'arroser. À la place, vous avez arrosé les enfants, les adolescents qui n'ont aucun intérêt, eux, aucun à la vaccination. À la place, vous avez installé le contrôle social, tout le monde qui flique tout le monde partout, dans les restos, les cafés, les ciné. À la place, vous avez restreint les libertés. Ceux de nos concitoyens qui n'ont pas encore reçu une première dose, il y en a trop, même si on voit se dessiner bientôt le seuil des 90%. C'est un record, presque y compris mondial. Enfin, on pourrait aussi parler des 10% qui resteront, en tout cas des 13 aujourd'hui, et que se dessinent devant nous, ce n'est pas tout à fait le même public, ceux qui ont déjà eu leurs deux injections, mais dont on sait que l'efficacité peut décroître avec le temps. Les autorités sanitaires ont dit 6 mois après la deuxième dose, et dont il faut, en Mayenne comme partout, mais je suis en Mayenne, donc je vous invite pour... les personnes concernées, plus de 60 ans, et ayant, comme on dit, des comorbidités, à aller se faire vacciner une troisième fois ou une deuxième si elles ont eu par ailleurs la Covid. Pourquoi avoir fait le choix de ce déremboursement des tests et pourquoi ne même pas l'avoir fait passer par cette Assemblée ? Pourquoi ? Est-ce que c'est pour des raisons budgétaires ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a là une volonté d'ostraciser, de pourrir la vie, comme l'a dit un conseiller du président de la République, de pourrir la vie des 10 à 15% qui aujourd'hui refusent la vaccination. Voilà pour le zapping politique, les principales déclarations de ces dernières 24 heures. Nous sommes ce soir avec Paul Melun, essayiste et président de Souverain Demain. Bonsoir. Merci Loïc d'être avec nous. William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir. Merci d'être là. Jules Torres, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Et Éric Chahal, délégué général de l'UDI. À distance, Florian Tardif de la rédaction de CNews, du service politique de CNews, est avec nous. Merci beaucoup Florian. Vous allez décrypter avec nous pendant cette première heure le grand meeting de relance d'Anne Hidalgo, entourée des principaux ténors du Parti Socialiste. On va peut-être d'ailleurs, avant de commencer sur ce thème, la gauche, Anne Hidalgo, cette candidature qui a du mal à démarrer, écouter l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui était à ses côtés à Lille et qui a dressé un constat assez amer des débats politiques auxquels nous assistons dans cette pré-campagne présidentielle. Écoutez Bernard Cazeneuve. Le pire de la politique, c'est lorsque l'invective se fait mensonge, que le mensonge se fait calomnie, que la calomnie se fait rumeur, que la rumeur se fait meute et que la meute se fait mort. Cette droite extrême est toujours la même. Elle puise ses vents mauvais au même creuset. Pour reprendre la belle formule de Jean Jaurès qui disait que c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source, pour ceux qui les concernent à eux, qui sont encore présents, et qui n'ont en rien changé par rapport à ceux qui s'exprimaient dans les années 30. C'est en allant vers la boue que leur torrent de haine reste fidèle à sa source empoisonnée. Jules Torres, est-ce que c'est ce genre de discours qui est de nature à convaincre les électeurs de
retourner vers le Parti Socialiste. Non, mais de retourner sur un vote de Zemmour, là, oui, complètement. Hein, parce que, en fait, le PS, mais ça dure depuis quand même plusieurs années, ça dure depuis 30 ans, c'est-à-dire que pour combattre l'extrême droite, on dit que l'extrême droite, c'est pas bien. On dit que la droite extrême, c'est pas bien. On dit qu'elle est rabougrie, on dit que ça sent les années 30. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout la technique. Hein. Je voudrais juste rappeler, parce qu'on a beaucoup parlé de sondages là, ces derniers temps, il y a le sondage Ipsos Soprasteria qui est sorti jeudi, et qui disait que 41% des électeurs socialistes souhaitaient se fermer davantage à l'immigration. Donc il y a 41%, selon Bernard Cazeneuve, si je comprends bien, des électeurs socialistes, des sympathisants socialistes, qui sont d'extrême droite, qui sentent les années 30. Et honnêtement, je ne m'attendais pas honnêtement à ce que Bernard Cazeneuve prononce ce genre de discours. Je pensais qu'Anne Hidalgo s'en chargerait, parce que Bernard Cazeneuve, c'est quand même une autre hauteur de vue. Il y a une profondeur quand même dans Il y a une profondeur, mais vous n'avez pas choisi les bons extraits alors, mais là, je n'ai pas vu beaucoup de profondeur, si ce n'est des quolibets et des attaques à Dominem sur d'autres candidats et d'autres partis politiques. Quoi. Florian Tardy, vous êtes à Lille, vous avez suivi ce discours. Un certain succès d'estrade quand même pour l'ancien Premier ministre auprès des militants, des sympathisants du Parti Socialiste. Est-ce que le PS finalement ne s'est pas trompé de candidature? Bernard Cazeneuve, avec ce succès acquis auprès des militants, aurait peut-être figuré en meilleure position dans les sondages qu'Anne Hidalgo. Est-ce que c'est ça qu'on retient aujourd'hui, notamment à Lille? Oui, c'est toute la question et c'est la question qu'on a posée aux cadres du Parti Socialiste qui étaient présents à cette convention d'investiture d'Anne Hidalgo, mais également aux militants. Nous avons assisté, Loïc, à une séquence qui résume, je pense, à elle seule la situation actuellement du Parti Socialiste. Durant cette convention d'investiture a été diffusée une très courte vidéo revenant sur les grandes étapes fondatrices du Parti Socialiste, les visages emblématiques, François Mitterrand, Lionel Jospin, Martine Aubry, Christiane Taubira, Bernard Cazeneuve, vous le citiez à l'instant, et pour finir, Anne Hidalgo. Et lors de leur apparition, eh bien, ce sont François Mitterrand, Martine Aubry, mais surtout Christiane Taubira qui l'ont emporté à l'applaudimètre face aux autres. Signe que les socialistes, vous en parliez à l'instant, n'ont peut-être pas investi pour cette année présidentielle la candidate la plus à même de fédérer autour d'elle. Vous parliez de Bernard Cazeneuve, justement, lorsqu'il a pris la parole, il a expliqué qu'il ferait court, qu'il avait 8 minutes devant lui, car les militants, je cite, n'étaient pas venus pour l'écouter. Et on a entendu des « si, si, Bernard Cazeneuve dans la salle, nous sommes venu pour vous écouter à ce moment-là. Signe supplémentaire, s'il en fallait un, Loïc, que les socialistes aujourd'hui n'ont effectivement peut-être pas choisi le candidat, la candidate en l'occurrence, la plus à même de rassembler la gauche. Et vous restez avec nous, Florian Tardif, avec Damien Deparnay derrière la caméra pour continuer dans les prochaines minutes à décrypter ce meeting d'Anne Hidalgo. William T, ce que dit Florian Tardif, c'est intéressant aussi d'écouter ce que dit Bernard Cazeneuve. On se réfère toujours dans le passé pour préparer le futur au PS et c'est peut-être malheureusement pour eux et malheureusement pour Anne Hidalgo, la raison pour laquelle ça ne prend pas, ça ne décolle pas. Oui, mais ils choisissent le passé, mais ils choisissent certains morceaux du passé. Ils ont eu du mal à s'inscrire dans l'histoire de France et ce que c'était la tradition française. Le problème qu'a la gauche, c'est qu'ils ont un double problème. C'est qu'ils ont un problème idéologique et ils ont un problème sociologique. Leurs électeurs, depuis les années 80 où 85% des ouvriers votaient François Mitterrand, sont partis en fait à l'extrême droite parce que c'est Marine Le Pen qui les défend désormais. Ils ont eu un problème, c'est qu'ils ont essentialisé des sujets. Ils ont pris des sujets qui n'intéressaient pas une grande partie de la population pour se recroqueviller auprès d'un électorat massivement urbain et de fonctionnaires. Et à partir du moment où Emmanuel Macron est parti sur leur espace, en fait, il ne leur reste plus rien à défendre. Ils n'ont quasiment plus de convictions. On ne sait plus ce que c'est que le socialisme d'aujourd'hui. Ils n'ont pas de projet d'avenir. Et leurs références passées, on le sait a posteriori, malgré leur victoire culturelle depuis mai 68, ce sont les personnes qui ont entamé le déclin français depuis 1981 avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. C'est ce qu'explique Marcel Gauchet dans Comprendre le malheur français. Donc en fait, les Français se sont détournés d'eux massivement. Les seules gauches qui gagnent, ce sont des gauches qui sont à la Macron, plutôt libérales. C'est Joe Biden aux États-Unis ou Barack Obama. En Allemagne, c'est Gerhard Schröder ou le SPD qui s'allie avec Angela Merkel. S'allie à la droite, quoi. C'est en gros, la social-démocratie. Et eux, quand le pays se droitise et la société occidentale se droitise, eux, ils se gauchisent. Donc c'est normal, en fait, qu'ils arrivent à 4 ou 5%. C'est une véritable catastrophe électorale qu'ils sont en train de faire. Et en plus, ils ont pris la candidate qui ne peut même pas se réclamer d'un acquis, c'est son bilan de maire. C'est la seule qui peut parler de son bilan parce qu'elle sait que son bilan n'est pas bon avec des majorités de manifestations sur Saccage Paris. Elle gagne aujourd'hui. Même si elle a été réélue. Oui,
Oui, mais elle a été élue sur un cercle électoral qui est très restreint, qui doit représenter 15 à 18% des Français. Et enfin, ils ont un deuxième problème, il est idéologique. C'est qu'en fait, il n'y a pas de vision socialiste aujourd'hui. La vision socialiste est en décalage complexe, qui se passe dans la société. Sur le plan économique, on le sait depuis les années 80, le keynésianisme ne marche plus. Et eux, ils proposent des solutions qui dataient avant les deux chocs pétroliers de 73 à 79. Sur le plan régalien, sur l'immigration, la sécurité et les questions d'identité, ils ont été dans le déni complet. Ils ont ostracisé, comme l'a rappelé Jules Torres, les gens d'identitaires, de fascistes, de néo-nazis, pour prendre des éléments dans les années 30, au lieu de répondre aux problèmes réels des gens. Et enfin, en termes de vision et de perspective, notamment sur la question européenne, ils ont participé à la construction européenne avec François Mitterrand, et puis ensuite, ils s'en détournent avec Hamon et Montebourg. Donc, qu'est-ce que c'est que la vision socialiste, et comment on pouvait demander à des gens de voter pour ça, alors qu'eux-mêmes ne savent pas où est-ce qu'ils habitent? Je ne sais pas si vous resterez des arguments, parce que les voilà ravis pour l'hiver, au Parti Socialiste. William a fait le tour assez savamment, je dois le dire, un certain nombre de sujets sur lesquels je le rejoins. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas, si vous voulez, jeter l'opprobre sur Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle fait ce qu'elle... On n'a pas encore, à proprement parler, on serait tenté de le faire quand on voit qu'elle est à 4%. Mais si vous voulez, bon, Anne Hidalgo, ce n'est pas elle qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la ligne du Parti Socialiste, comme le disait William. Bon, le Parti Socialiste, si vous voulez, aujourd'hui, il est pris dans les vents mauvais du vide intersidéral de sa pensée depuis 5 ans. C'est-à-dire que depuis la défaite cuisante de Benoît Hamon avec ses 6,3%, le Parti Socialiste, il n'a pas travaillé. Le Parti Socialiste, il a fait ce qu'il sait faire. Et puis j'ai beaucoup d'amis au Parti Socialiste, ils m'ont bien dit comment ça se passait. C'est, si vous voulez, la tambouille classique, c'est Olivier Faure avec ses lieutenants qui tient les fédérations, etc. Enfin, ils ont refait ce qu'ils savaient faire de mieux. Donc pendant 5 ans, c'est tambouille, tambouille et tambouille pour gagner, bon an, mal an, quelques postes aux élections intermédiaires. Mais ils n'ont pas travaillé sur le fond. Et sur le fond, ils sont étouffés. Ils sont étouffés entre la France Insoumise, qui a un discours aujourd'hui complètement islamo-gauchiste, qui est décorrélé des réalités des Français et qui, je pense, moi, est voué à l'échec, et un discours macroniste qui couvre très bien la social-démocratie. Emmanuel Macron, c'est un social-démocrate plutôt accompli. Donc, si vous voulez, ils ont nulle part où aller. Je pense que le salut du Parti Socialiste, si je veux leur donner un petit conseil ce soir, au plan idéologique et au plan intellectuel, ce serait plutôt de se tourner sur ce que font, par exemple, les sociaux-démocrates danois, Madame Frederiksen, la Première ministre, qui est en train de mettre en place une politique migratoire très sévère, alors qu'elle est socialiste, et qui a fait des alliances au-delà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faudrait qu'ils aient des solutions. William le disait, je suis assez d'accord, sur la mondialisation, que pense le Parti Socialiste ? La mondialisation, le Parti Socialiste, il est un peu perdu depuis 1983. Ils ont embrassé les thèses de Reagan et de Thatcher, et puis après, ils ont un peu changé d'avis avec Jospin et les 35 heures, et puis après, ils ont rechangé d'avis avec le CICE sous François Hollande. En fait, c'est les sables mouvants, cette affaire. Il n'y a pas que le Parti Socialiste qui a changé d'ADN ces dernières absolument, années. Absolument, mais on pourrait faire le même procès au Front National, qui était aussi pro-Reagan sous Jean-Marie Le Pen, et qui maintenant est plutôt socialisant, ça c'est sûr. Et Éric Chal, est-ce que ce n'est pas dommageable, quand même, pour la démocratie, de voir la disparition quasi annoncée d'un parti comme celui représenté aujourd'hui par Anne Hidalgo et Olivier Faure? Précisément parce que c'est à ça qu'on assiste en fait. Parce que là, on parle d'Anne Hidalgo, mais ça va au-delà d'elle. Elle a fait son lancement de campagne dans le Nord, à Lille. Et la Fédération du Nord, qui était la fédération ultra-puissante du Parti Socialiste, avec je crois 14 000 adhérents à un moment donné. Il y en a plus de 130. Une 100, 200. Enfin, c'est absolument dérisoire. Mais en fait, il y a une raison objective. Moi, je ne suis pas de gauche, je ne l'ai jamais été. Mais l'idée que je me fais de quelqu'un de gauche, c'est quelqu'un qui croit à la redistribution sociale, c'est quelqu'un qui croit à l'égalité des chances, et c'est quelqu'un qui a une vision universaliste de la société. Et sur chacun de ces points, la gauche s'est perdue. Aujourd'hui, le Parti Socialiste est exclusivement sur des logiques wokistes. Alors, où elle se retrouve, la gauche? Elle se retrouve dans une manifestation contre la police, elle se retrouve pour militer pour des éoliennes, ou elle se retrouve pour les luttes intersectionnelles. Et c'est évidemment pas ça, le cœur classique de l'ADN de la gauche. Résultat, celui qu'on pourrait appeler le social traître, pour reprendre des termes marxistes, Emmanuel Macron, est encore aujourd'hui, alors qu'en fait, il a fait de la casse sociale pendant des années. Vous reconnaissez au moins le fait d'être social. Et ben, Emmanuel Macron, qui, depuis 5 ans, a fait exactement l'inverse, enfin, je veux dire, pour un électeur de gauche qui a voté Emmanuel Macron en se disant « ça va m'éviter d'avoir la droite », je pense qu'il s'est fait avoir. Et aujourd'hui... C'est peut-être votre problème à vous, d'ailleurs. Et aujourd'hui, les socialistes, une partie des électeurs socialistes de 2017, en viennent encore à considérer qu'Emmanuel Macron est encore pour eux le candidat le plus compatible. C'est incroyable. Et je pense que la principale raison, c'est parce que la gauche s'est perdue. Elle est dans des luttes qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui était le fondement de son combat. Après, je ne suis pas le mieux placé pour parler du Parti Socialiste. Non, mais pourtant, vous avez pas l'intention d'y aller. Vous avez raison. Aujourd'hui, il y a 1% des ouvriers qui votent socialiste. Juste un chiffre. 1% des ouvriers votent socialiste, 3% des ouvriers votent écolo. Voilà où en est la gauche. Allez, on marque une pause. On a jeté les bases du débat sur le Parti Socialiste. On va essayer de resserrer un petit peu le focus sur Anne Hidalgo et cette candidature qui a du mal à démarrer. On retrouvera bien évidemment Florian Tardif et Damien Deparnay à Lille pour décrypter le discours de la candidate Anne Hidalgo. Et on fera aussi appel aux lumières de celui qui est peut-être responsable de tout ça. On écoutera l'ancien président de la République, François Hollande, qui donne des conseils à la nouvelle candidate du Parti Socialiste. Restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques minutes dans Soir Info Weekend.
Bienvenue dans la deuxième partie de Soir Info Week-end. On poursuit notre décryptage et nos débats autour de la candidature d'Anne Hidalgo et son grand meeting à Lille d'investiture. On va l'écouter justement. La maire de Paris, candidate du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, là où certains, déjà, et y compris dans son camp, doutent qu'elle aille jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, elle a bien évidemment réaffirmé son intention d'aller jusqu'au bout. Écoutez-la. Je porte en moi la détermination, celle d'une femme politique qui sait ce que cela suppose de courage pour ne jamais renoncer. Alors je suis là, devant vous, et j'irai jusqu'au bout. Pouvait-elle dire autre chose, Florian Tardif? Et quelle a été la réception des militants, pas seulement à cette phrase, mais du discours dans son intégralité d'Anne Hidalgo et de ce meeting? Comment est-ce que vous avez senti les troupes socialistes, déjà désabusées, présentes pour soutenir une candidate dont on sait déjà qu'elle n'ira pas forcément au second tour, ou quand même il y a une certaine forme d'espoir chez les sympathisants et militants du Parti Socialiste que vous avez rencontrés? Parmi les militants du Parti Socialiste, on a pu sentir bien évidemment un certain espoir de leur part suite notamment au discours de Martine Aubry, de Bernard Cazeneuve et puis d'Anne Hidalgo, la candidate qui a été donc investie officiellement par son parti, même si on ne cache pas, lors des discussions que j'ai pu avoir avec les différents militants qui sont venus, il faut le dire, en nombre, puisque le parti a mis le paquet, il y a eu des bus qui ont été affrétés pour faire venir des militants d'un peu partout sur l'ensemble du territoire. Il y a même eu des covoiturages qui ont été mis en place pour que Anne Hidalgo soit face à une salle comble tout à l'heure. Des militants qui espèrent beaucoup de la part donc de la candidate officielle du Parti Socialiste, même si, je vous le disais à l'instant, on ne se cache pas que à 5-6 points dans les sondages, la candidate PS, même si elle explique qu'elle ira jusqu'au bout, même si elle a tenté tout à l'heure de galvaniser les troupes, et cela a été un peu plus compliqué que lors du discours de Martine Aubry et de celui de Bernard Cazeneuve, on comprend très concrètement que ce n'est pas lors de cette élection présidentielle que le Parti Socialiste va pouvoir arriver à nouveau à l'Élysée et conquérir le pouvoir. Et c'est ce que dit François Hollande, on l'entendra après Paul Melun, c'est le risque d'une candidature de témoignage. Il y a même un risque encore plus important, c'est-à-dire moins des 5%. Moins des 5% et ne pas être remboursé des frais de campagne. Bien sûr, et le Parti Socialiste va engager des frais très importants. Et donc un risque de péril pour le Parti Socialiste. Et un risque de péril très grave, et je pense que beaucoup des deals socialistes en ont conscience. Si vous voulez, le Parti Socialiste, à l'origine, c'est quand même une très grosse machine, il faut le savoir. On le avec voit, des moyens là, logistiques, c'est... financiers. Mais oui, mais si vous voulez, cette grosse machine-là, en l'occurrence, pour le meeting. Ils sont du signe, en fait. On ramène des bus, on ramène des covoiturages. Si ils mettent sur la table tout ce qu'ils ont. Ouais. Ils vont affréter des bus, ramener chance. Des militants. Mais fondamentalement, dans les fédérations, moi, mes renseignements, je sais qu'il n'y a plus personne. Ils ont du mal à faire des cartes. Les gens ne sont plus à jour de cotisation. Vous savez, c'est ce genre de problème. Il n'y a plus assez de parlementaires en région. Il n'y a plus assez de personnes qui viennent. Vous savez, avant, il y avait ce qu'on appelait les banquets de la rose au Parti Socialiste. C'était des grands banquets où il y avait du monde. C'était populaire. C'était quelque chose d'agréable. C'était un moment important pour les socialistes en région. Et aujourd'hui, quand vous organisez ça, il n'y a plus personne. Et ça n'a rien à voir avec le Covid. Les gens peuvent plus venir parce que si vous voulez, ils croient plus, ils ont plus cette flamme, cet espoir, et je crois pas qu'Anne Hidalgo soit de nature à l'incarner, surtout dans les territoires. Mais oui, Anne Hidalgo, c'est pas question. Forcément la candidate des territoires. Et l'entourage d'Anne Hidalgo, Jules Torres, cible ce que vous représentez, ce que je représente aussi, les journalistes politiques, parce qu'ils habiteraient, du coup, seraient en contradiction avec ce que fait Anne Hidalgo sur le terrain. Contrairement à Anne Hidalgo, elle qui n'habite pas à Paris. Non mais ça a été vraiment affirmé par des proches d'Anne Hidalgo. Les journalistes politiques vivent à Paris, donc ils voient ce qui marche pas à Paris, et donc ils sont contre Anne Hidalgo. Mais en réalité, le vrai déficit, c'est peut-être en province qu'elle, Anne Hidalgo, quand on entend notre reporter Florian Tardif nous dire que Bernard Cazeneuve, que Martine Aubry ont des vrais succès d'estrade, mais pas la candidate. Non, mais ce qui est fou quand même, honnêtement, moi je suis la campagne d'Éric Zemmour, et Éric Zemmour, en fait, il est venu à Lille il y a 15 jours. Ouais. Il n'a pas eu besoin de ramener des bus, de payer des bus. Ouais, même si on a vu hier, on en parlera tout à l'heure, que la salle n'était pas forcément... Ouais, mais à mon avis, il y a d'autres explications, mais il n'a pas besoin de ramener des bus, il n'avait pas besoin que dans les fédérations, on fasse des covoiturages. Il n'y a pas de fédération de toute façon, mais... Voilà. Même si parfois, il essaye de s'introduire dans certaines fédérations. C'est qu'en gros, à Lille, on en parlait pendant la pub, et en gros, on parle souvent de la génération Z, des jeunes avec Zemmour, et M. Melun parlait d'espoir.
qui a l'espoir qu'Anne Hidalgo soit élue présidente de la République ? Mais le mouvement de jeunesse, le MJS, le mouvement des jeunes socialistes, aujourd'hui, il est vide. Il y a plus personne. Je ne pourrais même pas vous dire qui est le président des MJS. Moi non plus, je ne sais pas. Voilà. Pardon, moi non plus, on demandera Le dernier, maintenant, il est porte-parole de la campagne de Jadot. On connaît Stanislas Rigaud, on connaît Guillaume Carayon pour les Républicains, on connaît Ambroise Méjean pour les Jeunes avec Macron. Le Parti Socialiste, on ne sait pas. Et le problème que va avoir le Parti Socialiste, parce qu'on parlait de candidature de Anne Hidalgo, oui, j'irai jusqu'au bout. Mais au bout, pourquoi ? Oui, et c'est ce que déplore François Hollande, cette candidature des témoignages qui risquerait d'entraîner la mort du Parti Socialiste, Richard. Non, mais quelqu'un qui dit, qui lance sa campagne en disant « oui, j'irai jusqu'au bout », enfin déjà, on t'a ce langage. Ça a marché une fois, Jacques Chirac, souvenez-vous. Oui, mais c'était pas exactement la même chose. Il avait une base, pour le coup, qui était restée ultra mobilisée et des militants qui croyaient et qui ont fait la campagne jusqu'au bout. On se rappelle de cette phrase. Et, oui, voilà. Bien sûr, j'irai jusqu'au bout, comment en douter. Mais il répondait à une question qui était posée par le journaliste. Là, elle allait à la tribune et en fait, au lieu de faire un discours avec un programme, elle dit « je vais aller jusqu'au bout ». Enfin, même tout le langage corporel dit l'inverse. Moi, je pense que les ténors du Parti Socialiste, les éléphants, comme on les appelait avant, ou les mammouths maintenant, sont en train de se poser la question du débranchage. Ils auraient été bien inspirés de faire comme les LR, d'avoir une clause pour que leur candidat puisse être débranché. Mais peut-être, avec Jadot. Roulant. Vous savez, vous avez un parti de politiques qui sont uniquement des notables. Ce qu'ils veulent, c'est sauver leur circonscription, sauver leur territoire. Ils sont prêts à partir avec Jadot, modulo un accord de 50-50. D'ailleurs, je vous dis que si ça semble, d'un seul coup, cette candidature de gauche va un peu monter, va donner le sentiment d'un espoir, à mon ami, qui n'ira pas loin. Mais il est probable que les ténors socialistes n'attendent qu'une seule chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est la seule alternative. Vous savez, Benoît Hamon, la dernière fois, au dernier moment, il avait quasiment sabordé sa campagne en disant avant la fin du premier tour, mais au deuxième tour, ce sera Mélenchon. En disant en gros à ses électeurs, c'est pas la peine de voter pour moi au premier tour, allez directement sur Mélenchon. Là, j'ai l'impression qu'on a encore franchi un palier. La question, c'est même pas de franchir les 5%. Je pense que la question, c'est elle a peu de chances d'aller au bout. On a eu l'analyse au vitriol sur l'état de la gauche signée William T. Avant la pub. Je voulais vous faire entendre une analyse signée Michel Onfray. Il était l'invité de CNews tout à l'heure sur l'état de la gauche. Et vous allez le voir, il partage à peu près votre analyse et votre constat avec ses mots à lui. Et c'est encore plus intéressant parce que ça vient de quelqu'un au passé, justement, de gauche. Et toujours de gauche. Et toujours de gauche, mais pas forcément socialiste. Écoutez Michel Onfray. Je n'ai jamais été communiste, je défends la propriété privée, je défends la liberté individuelle, personnelle. C'est compliqué, si vous voulez, d'entrer dans le détail de cette gauche-là. Elle est nulle part. Où elle est, dans les coopératives, les mutualisations, etc. etc. On dit, vous n'êtes pas d'accord avec Hollande, donc vous êtes de droite. Si vous êtes de droite, vous êtes d'extrême droite. Et qui dit ça ? L'Obs, Le Figaro, France Inter, etc. Ça m'est égal. Ces gens-là ne vont pas me donner des leçons de vertu, des leçons de morale, en me disant être de gauche, c'est ceci ou cela. Si c'est défendre un homme qui frappe sa femme à peu près le jour de la journée des femmes dans Libération, oui, je suis pas de gauche. Ça, c'est sûr, cette gauche-là n'est pas la mienne. Jadis, la gauche, c'était la pédophilie, c'est pas ma gauche non plus. Donc, il y a un moment donné où j'ai défendu le peuple old school, je défends la gauche old school, qui avait le sens des valeurs, le sens de la morale, le sens du travail bien fait, le sens de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Pas l'antidialectique d'Emmanuel Macron. Alors si les gens pensent que parce que je ne suis pas de cette gauche libée, je suis de droite, et que si je suis de droite, je suis d'extrême droite, ça m'est absolument égal. Bon, faut suivre, hein, évidemment, toujours avec Michel Onfray. Où est la gauche ? Ça, c'est vraiment une vaste question. Mais il finit un peu plus tard dans l'émission en disant qu'aujourd'hui, la gauche, la vraie, la sienne, peut-être aussi quelque part, c'est Fabien Roussel. C'est le Parti communiste qu'on avait un peu mis de côté. Mais c'est vrai qu'avec la France insoumise et le Parti socialiste qui essayent de le copier parfois sur l'intersectionnel, sur le wokisme que vous décriviez tout à l'heure, Éric Schall, finalement, c'est vrai qu'il y a aussi des valeurs de gauche que l'on retrouve, effectivement, dans le Parti communiste. Oui, mais en fait, la gauche, c'était Valls qui en parlait le mieux. Il y a deux gauches. Il y a deux gauches irréconciliables. La première, c'est celle d'à peu près qu'avait Mélenchon et le Parti communiste de 2017, même si Mélenchon a changé de position depuis en prenant des positions beaucoup plus islamo-gauchistes. Et la deuxième gauche, c'est celle de Macron. Et en fait, le PS est pile au milieu avec les deux électorats qui sont partis chacun des deux côtés parce que chacun défend un idéal différent. Et en fait, le Parti socialiste et même la gauche globalement s'est fourvoyé sur chacun des points. J'ai pris tous les totems de la gauche. Sur la question de l'égalité, la gauche promeut l'égalité pour tous. Ils défendent aujourd'hui la discrimination. Nation positive, le wokisme, etc. Donc en fait, ils attaquent même les principes de la France indivisible et de l'égalité pour tous. Sur la question des principes républicains et de la laïcité, Anne Hidalgo est alliée aux Verts à Paris et qui sont contre l'hommage pour Samuel Paty. Sur la question du travail, la gauche a abandonné les travails et tous les travailleurs pour proférer l'assistanat et le fait de travailler moins. Sur la question de l'universalisme et sur la question de la défense européenne, la question de la défense des droits de l'homme, en fait, ils ont arrêté de promouvoir tous ces idéaux. On le voit notamment sur la question, lorsqu'il y avait la polémique à Hong Kong, enfin,
la manifestation à Hong Kong, il n'y a que Glucksmann qui s'est positionné sur Hong Kong. Et en fait, ils ont abonné petit à petit toutes leurs valeurs. D'une part, il y a une partie comme Onfray, des intellectuels qui sont partis parce qu'en fait, les problématiques ont changé, la gauche n'y répond plus. Et sur le deuxième point, en fait, ils ne sont plus en cohérence avec toutes les valeurs qui sont fondamentales, qui étaient chères à la gauche. Aujourd'hui, quelle est la position de la gauche sur l'Europe et sur la construction européenne, alors que c'est un des points essentiels. Sur la question du travail, ils ont une seule doctrine, c'est travailler moins. Mais la gauche, c'est pas ça. Historiquement, la gauche a été créée avec le SFIO en 1905, sur la question du travail et de défendre les petits travailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, ils leur proposent comme seul horizon de travailler moins et d'être aujourd'hui plus pauvre et de gagner encore moins d'argent. Ce n'est pas un idéal qui est profitable. Et c'est pour ça que les deux partis sont partis. Et je pense que c'est pour ça qu'Onfray dit qu'aujourd'hui, le seul défenseur de la gauche, c'est Roussel. Parce qu'aujourd'hui, Roussel, historiquement, traditionnellement, en termes de pureté, est aujourd'hui le seul qui incarne la gauche historique des temps anciens d'il y a 100 ans. Et il se fait traiter de fasciste par la France insoumise, les écolos, parce qu'il défend la vraie gauche. Les valeurs républicaines. Mais il défend la vraie gauche, Fabien Roussel. Et ce que dit Michel Onfray est tout à fait clairvoyant. Michel Onfray, il défend quoi? Il défend la souveraineté populaire. Il défend les référendums d'initiative citoyenne au niveau local. Il défend le peuple. Ah ben c'est très important. Il défend les communes face aux jacobins. Il défend une espèce de vision, si vous voulez, sociale beaucoup plus forte. J'ai entendu sur votre émission avant qu'il a aussi parlé du chèque de 100 euros d'indemnité inflation. Il a dit que c'était une honte, parce que c'était un billet comme ça lâché au peuple. C'est un discours comme ça que devrait tenir la gauche. Et puis moi, je vous donne mon billet que si c'était Michel Onfray qui était le candidat de la gauche, on ne serait pas à 4% ou à 5%. Et moi, je serais avec lui. Zemmour contre Onfray, vous allez nous promettre une campagne animée. Au moins une campagne d'intellectuel, pas une campagne d'anathème contre Éric Zemmour, comme le fait Cazeneuve ou Hidalgo. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de sauter sur la table comme des cabris en disant « à bas le fascisme ». Enfin, si la gauche va se recycler avec le Parti Socialiste qui crie « à bas le fascisme » qui n'existe plus, et la France Insoumise qui fait l'islamo-gauchiste, excusez-moi, on n'est pas prêt d'avoir un président à gauche. Là où vous avez raison, c'est vrai que ça fait du bien, d'accord ou pas, d'entendre aussi des intellectuels se prononcer et pas seulement tenir des propos qui s'assurent un succès d'estrade auprès de militants amené par des bus, si vous voyez où je veux en venir. Eric, je voulais, Je voulais rebondir là-dessus. Il est peu audible pour le moment, mais les campagnes électorales, ça sert aussi à développer des discours. Mais effectivement, je trouve que Fabien Roussel, pour les communistes aujourd'hui, est celui qui est le plus raccord avec l'idée qu'on se faisait de la gauche auparavant, notamment parce qu'il défend le travail. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'un Jean-Luc Mélenchon qui expliquait qu'il était pour le travail, pour l'industrie. Alors, on n'avait évidemment pas à droite et au centre la même vision de l'organisation du travail que lui, mais il défendait l'appareil, l'outil de production et ce genre de choses. Aujourd'hui, il a voulu tellement glisser dans la défense des gens sans travail, des différentes minorités et aussi des écologistes, qu'il a converti son discours et qui, pour la fermeture, de l'inverse, de ce qu'a toujours prôné en réalité les communistes. Ouais. Si on regarde bien le discours de Fabien Roussel, on se rend compte qu'il est le plus en phase avec ce qu'était une certaine gauche dans les années 80 et 90. Peut-être que ça émergera un petit peu au fur et à mesure des mois. Cette campagne servira peut-être à ça, à gauche. Il y a trois points qui ont détruit la gauche. Le wokisme et les thèses importées aux États-Unis. C'est vraiment, wokisme détruit à ce point la gauche aujourd'hui. Parce qu'il y a l'intersectionnalité. C'est contre toutes les valeurs de l'électorat. Il y avait neuf. Enfin, aller demander à un électeur sur deux, wokisme, c'est pas encore. Non, mais la lutte contre les discriminations, vous voyez, moi quand j'étais au Parti Socialiste étudiant, on faisait des tracts sur il faut démasquer le FN, etc., à bas le fascisme, c'était ça toute la journée. Et c'était la lutte contre les discriminations. Bon, mais ça parle pas au peuple. Quand vous prenez par exemple une note de Terra Nova qui était sortie, qui avait expliqué toute la stratégie de la gauche en 2012, quelle majorité électorale pour 2012, ils expliquaient en fait que les électeurs populaires s'étaient droitisés et étaient devenus beaucoup plus conservateurs. Et donc, en fait, quand vous tenez des thèses qui sont beaucoup plus progressistes, vous êtes à l'encontre de votre électorat. Et c'est pour ça qu'ils sont partis, notamment au-delà des questions économiques. Après, il y a un deuxième point, c'est l'écologisme qui a détruit une partie des valeurs de la gauche parce qu'elle rentrait en contradiction avec la valeur travail. Pour faire une politique écologiste, comme vous n'avez pas les outils technologiques pour faire de la décroissance. C'est sûr que si André Brosseau qui dit qu'il faut augmenter le prix de l'essence, ça ne va pas forcément parler aux ouvriers. En fait, quand vous faites une politique écologiste, le seul moyen aujourd'hui possible, quand on n'a pas les moyens technologiques, c'est de baisser en fait notre capacité de croissance. Et donc, du coup, ça va contre la valeur travail. Et ensuite, après, sur les différents points, c'est pour ça qu'ils sont à l'encontre de toutes leurs théories en prenant des thèses extérieures. Mais parce que le Parti Socialiste est faible aujourd'hui. Avant, quand vous parliez de la gauche, il y avait Rocard qui pensait, il y avait Dominique Strauss-Kahn, malgré tous les problèmes qui lui arrivaient, il pensait, il y avait Laurent Fabius aussi, Ségolène Royal. La gauche, c'était déjà un peu mise en marge du peuple à ce moment-là. Il y avait des gens qui pensaient, et des gens qui s'exprimaient avec des aujourd'hui. Ségolène Royal dans les théoriciens. Non, mais elle avait un peu Elle avait quelque chose. Ségolène Royal est arrivée au second tour d'une élection présidentielle. Mais parce qu'elle avait des qualités peut-être pas de théoricienne. Je pense que ce qui a tué la gauche, c'est qu'en fait, ils ont extériorisé toutes leurs méthodes de pensée. Ouais. Ils ont importé des théories qui venaient soit des Verts, soit des États-Unis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme ils n'ont plus d'identité, ils sont obligés de raccrocher à quelque chose auquel ils n'y croient pas. Bon, allez, comme promis, on va écouter celui qui est le dernier à avoir gagné une élection présidentielle à gauche. En tout cas, la vraie gauche à l'époque, celle du Parti Socialiste représentée par François Hollande. Il était en
en dédicace à Libourne, près de Bordeaux, où Jérôme Pompenou et Antoine Estève l'ont interrogé. Il donne gracieusement ses conseils à Anne Hidalgo. Écoutez l'ancien président de la République. Je crois que c'était pas ma place, c'était à Anne Hidalgo de lancer sa campagne. Elle a choisi, je crois que c'était une bonne idée de le faire à Lille, qui est une ville qui a une symbolique, avec en plus Martine Aubry comme maire. Et donc je crois que c'était un moment important pour elle dans sa campagne, mais vous savez, il y en aura d'autres. Parce que à mes yeux, et je parle d'expérience, la vraie campagne, celle qui va déterminer les votes, elle ne va commencer qu'au mois de janvier. Mais que je lui envoie, c'est de commencer son travail programmatique, de montrer ses grandes orientations et puis de prendre le temps d'écouter et de préparer le projet qui devra être présenté forcément au mois de janvier. Baiser qui tue, coup de pied de l'âne, appelons ça comme on veut. On va faire un détour par Lille avec vous, encore une fois, Florian Tardif. L'ombre de François Hollande qui multiplie les déclarations ces derniers jours, ces dernières semaines, avec la sortie d'un livre. Affronter qui? Peut-être en interne déjà, Anne Hidalgo. La campagne, dit-il, va commencer en janvier. Peut-être vous l'avez, le temps de se préparer. Vous l'avez lu? Vous y voyez peut-être une intention de s'engouffrer dans la brèche? Oui. François Hollande qui pourrait y aller en 2022, oui, si Anne Hidalgo était empêchée. Oui, François Hollande qui est revenu, vous le disiez à l'instant, sur la scène médiatique avec la publication de son dernier ouvrage dans lequel il est très critique puisque je l'ai lu sur l'émiettement de la gauche. C'est fait remarquer aujourd'hui par son absence, hein, questionné à ce sujet. Patrick Kanner, que j'ai rencontré, le président du groupe socialiste au Sénat, a répondu un peu gêné, il viendra. Il viendra, comprenez, qu'il prendra part à cette campagne socialiste, mais plus tard, nous avons également questionné les militants et c'est peut-être pour cela qu'il s'est mis en retrait pour l'instant de cette investiture, donc de la candidate socialiste, tout simplement parce que ces militants que nous avons interrogés sur pourquoi François Hollande n'était pas là, devait-il être là, nous ont répondu globalement que c'était une bonne chose qu'il ne soit pas là aux côtés d'Anne Hidalgo aujourd'hui, car selon eux, il a fait beaucoup de mal, je cite, à la gauche et au Parti Socialiste notamment. François Hollande qui explique que le PS a été dans l'excuse, dans l'effacement plutôt que dans l'affirmation et la proposition. Mais à cause de qui, nous ont dit ces militants. Donc après, malgré la rancœur de ces quelques militants, vous l'avez compris, Loïc, l'ancien chef de l'État, reste et restera une figure importante au sein du Parti Socialiste. Il a conseillé aujourd'hui Anne Hidalgo. Il continue de prodiguer des conseils à la candidate socialiste qu'il rencontre régulièrement puisque les deux se sont encore rencontrés il y a deux jours. Les écoute-t-elle, ces conseils, rien n'est moins sûr. Merci Florian Tardif et merci bien sûr à Damien Deparnay. Vous avez prolongé cette journée après le meeting d'Anne Hidalgo. Merci beaucoup pour vos décryptages ce soir. Eric Schall, sur la candidature potentielle, putative de François Hollande, qu'en pensez-vous ? C'est ça que j'allais vous dire. Vous savez, moi, j'ai été pendant 10 ans le collaborateur d'un ancien président de la République. Et indéniablement, pas François Hollande, Nicolas Sarkozy. Et indéniablement, lorsqu'on a gagné une élection présidentielle, on pense, à raison dans le cas de Nicolas Sarkozy, qu'on a rencontré le peuple et qu'on a eu... on a quand même obtenu à un moment donné plus de 20 millions de gens qui ont voté pour vous, qui ont mis un bulletin avec votre nom. Et ça vous donne une relation effectivement particulière avec les Français. Et François Hollande se vit, même s'il est tout seul dans sa tour d'ivoire, il se vit évidemment comme un recours, c'est indéniable. Et tous ces coups de pied de l'âne, comme vous les avez qualifiés tout à l'heure, ça sert au fond, pour lui, sa logique, à dire à un moment donné, je serai peut-être le recours. Il est le seul à le penser. Vous savez, c'est un peu Louis XVI qui fait la tournée des cours européennes pour expliquer comment éviter une révolution. C'est un peu la même chose. Il y croit, il est dans son fantasme, mais on va devoir compter avec ça parce qu'il va continuer de mettre des petit coup de pied de l'âne à ses camarades socialistes jusqu'au bout, parce qu'il croit à son destin. Quand on a gagné une fois, on croit qu'on peut y arriver deux fois. Oui, mais quand on voit ce que donnent les sondages, et notamment l'enquête du CEVIPOF réalisée auprès de 16 000 personnes, ce n'est pas rien. On voit, Jules Torres, que le ticket d'entrée au second tour est quand même extrêmement bas. Et c'est vrai qu'une candidature de François Hollande qui réunirait peut-être un peu plus largement qu'Anne Hidalgo, il peut imaginer être au second tour et affronter Emmanuel Macron, avoir sa revanche. Le ticket pour le second tour est très bas, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le bloc de gauche, c'est maximum 30%. Ouais.
On est dans les trois blocs, hein. C'est-à-dire que bien si sûr. La gauche réunie est à 30, le bloc extrême droite nationale, je ne sais pas comment il faut l'appeler, est à 30, et Emmanuel Macron progressiste mondialiste est à 30. Bien sûr. Sauf que le problème, c'est que Emmanuel Macron, il est tout seul avec un peu Xavier Bertrand. Enfin, il y a la droite, mais ils sont que deux dans la droite nationale, droite extrême, droite radicale, comme vous voulez. Ils sont deux, mais il y en a bien un à un moment donné qui va dépasser l'autre largement. Sauf que le problème, c'est qu'à gauche, ils sont trois pour l'instant. Mmh. Enfin, trois, en tout cas, au-dessus de 5%. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui est à 8, il y a Yannick Jadot qui est à 9, Anne Hidalgo est à 5. Et honnêtement, moi, je ne vois pas François Hollande, dans le cas d'un retrait d'Anne Hidalgo, passer au-dessus des 12. Donc oui, le ticket, il est très faible, il n'est pas élevé, mais de là à arriver à 16, François Hollande... Je ne crois pas du tout. S'il veut sortir à un moment qui prenne Lionel Jospin dans ces cas. Mais qui prenne Lionel Jospin depuis l'île de Ré. Paul Melun. Non, si vous voulez aujourd'hui. Dans cette hypothèse qui paraît farfelue, mais on a vu d'autres choses par le passé arriver et qu'on n'y attendait pas. Elle est dans la tête du président Hollande. Je pense qu'il croit, si vous voulez, être le recours quand il voit la faiblesse d'Anne Hidalgo, autant au plan idéologique qu'au plan politique. Ça, c'est sûr. Après, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire que si vous voulez, ce bloc des 30% dont on parlait tout de suite, il est, comment dirais-je, impossible à souder en l'état actuel des choses. Mmh. Jean-Luc Mélenchon, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon jamais n'iront voter pour François Hollande. Jamais même n'iront voter pour Anne Hidalgo. Pareil pour les électeurs écologistes. Les électeurs écologistes n'iront pas voter pour Jean-Luc Mélenchon et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon n'iront pas. Tout simplement parce qu'il y a des lignes extrêmement différentes. Parce que Jean-Luc Mélenchon est sur la voie d'une espèce de radicalisation sur tous ces concepts de créolisation, etc., qu'il a complètement perdu le fil de ce qu'il disait en 2017 quand il parlait de l'économie de la mer, des nationalisations, que c'était effectivement un vrai socialiste à l'époque. Là, aujourd'hui, il est à la dérive totale. Les écologistes, Yannick Jadot, il va avoir beaucoup de mal à faire le ménage au sein d'Europe Écologie Les Verts parce que Sandrine Rousseau lui colle une pression terrible avec le courant féministe, le courant écoféministe, islamo-gauchiste, les jeunes écologistes qui sont extrêmement radicaux. Ce pauvre Yannick Jadot, très franchement, il est en difficulté parce que c'est le mâle blanc de plus de 50 ans et qui va être flingué. De l'intérieur. Il ne représente pas son camp. Il représente très mal son camp. Et puis au Parti Socialiste, si vous voulez, effectivement, 4 ou 5%, si c'est ça la mise à rafler pour François Hollande, ça va être très difficile. J'ajouterai un dernier élément qui peut expliquer la rancœur du président Hollande au Parti Socialiste, c'est qu'il a été très mal traité. Ouais. En interne, Olivier Faure a demandé un droit d'inventaire sur son bilan. Il a été très dur. Avec François Hollande. Les lieutenants de François Hollande, François Rebsamen, Stéphane Le Foll, ont été tués de l'intérieur par le camp d'Olivier Faure. La motion de Stéphane Le Foll a été très mal respectée. Par conséquent, ça va être très difficile de la réconcilier. William Tay, je ne vous donne pas la parole parce que vous êtes le seul rescapé dans la deuxième heure. On va remercier Éric Chal, Jules Torres et Paul Melun. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous dans cette première heure pour décrypter l'actualité. Anne Hidalgo et de la gauche dans cette élection présidentielle, ce n'est pas gagné pour eux, mais on continue évidemment d'en parler. Toujours, on parle de tout le monde et de toutes les candidatures et de tous les programmes. William Tay, vous restez avec nous. Trois nouveaux invités dans la deuxième heure. Il sera question d'Éric Zemmour, lui aussi en déplacement aujourd'hui. Un JT à suivre, une pub et on se retrouve juste après. Merci. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end. Merci d'être avec nous en ce samedi soir sur CNews. Avant de reprendre nos débats, un point sur l'actualité avec vous, Chana Lousteau. Rebonsoir. Bonsoir. Je me battrai jusqu'à la victoire. Ce sont les mots d'Anne Hidalgo pendant son premier meeting à Lille aujourd'hui. Oui, la candidate socialiste qui plafonne à 5% des intentions de vote dans les sondages tente de relancer sa campagne. Retour sur cette journée avec Marion Delpech. Je me battrai pour vous jusqu'à la victoire. Anne Hidalgo en quête d'un nouveau souffle. À Lille, la candidate s'est montrée déterminée lors de son premier meeting de campagne. Devant les 1700 militants et élus socialistes galvanisés par les discours de Martine Aubry et de Bernard Cazeneuve, la maire de Paris a tenté de relancer sa campagne. Une candidature portée par une femme qui portera aux femmes de notre pays une attention nouvelle pour celles et ceux qui souffrent de violence ou de discrimination. Pour tenter de l'emporter, la candidate socialiste veut s'appuyer sur les élus locaux. Tous ces élus, cette équipe de France des maires que j'ai rencontrés, qui sont venus me chercher, que je suis allée voir sur le terrain, avec laquelle nous avons travaillé. Et aujourd'hui, nous sommes là avec cette force politique qui va nous permettre de nous déployer partout. Un ancrage local dont Anne Hidalgo aura bien besoin pour créer une dynamique autour de sa candidature. La campagne vaccinale contre la grippe a débuté ce vendredi. Et si vous avez plus de 65 ans ou que vous êtes atteint de certaines pathologies, eh bien vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe saisonnière gratuitement. Une campagne dans un contexte sanitaire toujours marqué par l'épidémie de la Covid-19. Et vous allez le voir, dans certaines pharmacies, entre le vaccin contre la grippe et celui contre le coronavirus, il a fallu trancher. Écoutez.
On a décidé de privilégier les vaccins de la grippe pour ce premier jour. Donc on a un petit peu mis de côté la vaccination anti-Covid. Et pour être franc, aujourd'hui, on va se dédier, voire les prochaines semaines, on va se dédier essentiellement à la vaccination de la grippe. Parce que la vaccination du Covid, c'est moins de gens, moins de personnes, mais ça prend plus de temps parce qu'il faut une attente de 15 minutes. Il y a un suivi un peu plus sérieux à avoir. Donc on préfère aujourd'hui s'occuper de la vaccination contre la grippe. Et pendant ce temps, l'Allemagne n'oublie pas le Covid. Le pays fait face à une remontée du nombre de cas. Une hausse qui touche toutes les tranches d'âge. Le gouvernement allemand prévient que la situation risque de s'aggraver à l'approche de l'hiver. Écoutez le ministre fédéral de la Santé. Il a toujours été clair que durant cet automne et cet hiver, nous avons encore besoin de mesures de protection. Et en même temps, après 19 mois, également grâce au progrès, nous pouvons mettre fin à l'état d'urgence de la situation épidémique. C'est désormais un état de précaution particulière. Nous devons continuer à faire preuve de précaution dans la vie de tous les jours. Une situation normale ne sera possible qu'au printemps, au plus tôt, s'il n'y a pas de nouveaux variants. La contraception sera gratuite pour les femmes âgées de 18 à 25 ans. L'Assemblée nationale a adopté cette mesure à l'unanimité dans la nuit de vendredi à samedi. 3 millions de femmes sont potentiellement concernées par cette extension. Et pour certaines d'entre elles, vous allez le voir, c'est un soulagement. Reportage Ozlem Ünal et Swazik Houlier. Dès le 1er janvier, les jeunes femmes de 18 à 25 ans n'auront plus à débourser un sou. La pilule contraceptive devient gratuite pour elles. C'est une très bonne chose, puisque déjà entre 18 et 25 ans, on a un âge où financièrement on n'est pas très stable. Je pense que rendre gratuit, ça va faciliter les choses et éventuellement le dialogue. Je pense que si c'est gratuit, potentiellement elles pourront en parler également en pharmacie. En effet, pour ce pharmacien, cette mesure va permettre de lever un tabou. Si c'est pour éviter des IVG, c'est hyper intéressant, c'est important parce qu'on en arrive à des complications à la fois médicales mais aussi d'ordre psychologique. Jusque-là, la pilule était gratuite uniquement pour les mineurs. Or, pour le ministre de la Santé, il fallait agir et étendre sa prise en charge à plus de femmes, certaines renonçant à la contraception à cause de son coût. Si cette députée se félicite de cette avancée, elle aurait souhaité aller plus loin. J'avais déposé un amendement afin d'étendre cette mesure jusqu'aux 31 ans. C'est une préconisation à la fois du planning familial et du Haut Conseil à l'égalité. La consultation chez un médecin pour obtenir une ordonnance devient elle aussi gratuite. Au total, 3 millions de femmes seraient concernées par cette mesure. On en vient à l'indemnité inflation annoncée par le gouvernement. Elle va donner un coup de pouce à 38 millions de Français gagnant moins de 2000 euros net par mois. Une prime qui ne fait pas l'unanimité puisque pour de nombreux automobilistes, cette aide serait discriminatoire. Elle pénaliserait ceux qui parcourent beaucoup de kilomètres pour aller travailler et qui se trouvent juste au-dessus du seuil. Reportage avec l'un d'entre eux signé Antoine Estève. Éric a 51 ans, il va au travail en voiture tous les jours à l'autre bout de Bordeaux. Avec la hausse actuelle du prix de l'essence, il dépense entre 150 et 200 euros en plus chaque mois. Je fais à peu près 50 km, 50 à 60 de ville et je n'ai pas le choix de prendre que mon véhicule. Éric gagne un peu plus de 2000 euros par mois, donc il ne touchera pas la prime gouvernementale et il considère que c'est une injustice. On va favoriser les gens qui feront peut-être très peu de kilomètres, tout ça, et bon, des gens comme moi qui avons besoin pour le travail et qui sommes juste un petit peu au-dessus, on ne va pas en profiter, donc on va être pénalisé. Les associations d'automobilistes sont vent debout contre cette mesure. Selon eux, elle est discriminatoire et ne tient pas compte des besoins de chacun. François Allary est directeur de l'Automobile Club du Sud-Ouest. Ça nous paraît une mesure particulièrement injuste. La majorité des pays européens ont l'essence moins chère que nous, c'est-à-dire qu'ils taxent moins le carburant. L'État français taxe trop le carburant. Et il faut le dire, et il faut l'affirmer, il faut le répéter. Si elle reste réservée à ceux qui gagnent moins de 2000 euros, cette prime devrait concerner 38 millions de Français dans les trois prochains mois. On va parler de matelas, n'allez pas vous coucher, mais c'est intéressant, c'est une nouvelle technique. Recycler vos vieux matelas usagés à l'infini, c'est désormais possible. Oui, c'est le projet d'une entreprise basée à Semois, dans le Loiret. Leur technique est présentée comme une première mondiale à l'échelle industrielle. Je vous propose ce sujet de Samantha Rechtenstein. Ces matelas en mousse vont avoir le droit à une seconde vie, grâce à une technique de recyclage novatrice. Comme c'est le début, on va quand même faire un contrôle visuel pour vérifier si... Il n'y a que de la mousse.
Une mousse qui devra d'abord être broyée en petits morceaux pour être ensuite transportée dans un four spécifique où elle subira une transformation chimique. On utilise du polyol pour mettre la mousse en solution parce que la mousse seule, ce n'est pas possible. Et on va introduire ensuite le mélange réactionnel dans le réacteur. La mousse sera incorporée à ce mélange réactionnel. La réaction chimique va pouvoir se passer. C'est une réaction à haute température, à plus de 200 degrés. Et on obtient un nouveau polyol. Résultat, ce liquide brun visqueux prendra la direction d'une autre usine pour devenir à nouveau de la mousse. Une méthode qui permet ainsi un recyclage à l'infini. Dès 2022, cette usine prévoit de recycler plus de 200 000 matelas par an en France. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end. Merci Chana Lousteau. On vous retrouve pour l'édition de la nuit pour un nouveau point sur l'actualité. Nous sommes avec William T, qui est resté avec nous, président du think tank Le Millénaire. Marie d'Armagnac, journaliste indépendante et essayiste. Merci d'être avec nous ce soir. Olivier Henno, sénateur du Nord, secrétaire général de l'UDI. Merci d'être avec nous, monsieur le sénateur. Et Gauthier Debray, journaliste au service politique de CNews, en charge des suivis d'Éric Zemmour, dont on va parler dans cette prochaine heure. Mais avant cela, rappelez-vous de ce qui s'était passé pendant le confinement, ces entreprises de lingerie qui avaient envoyé leurs produits, des culottes, à Jean Castex pour dénoncer la réouverture trop tardive de leurs établissements, selon elles. Eh bien, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à Laval, en Mayenne, où était en déplacement le Premier ministre. Il a recroisé ces femmes qui lui avaient envoyé des culottes. Réaction du Premier ministre, assez drôle, regardez. Oui. Je suis bien. Je lui dirai. Ouais. Bien sûr. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre. Avez-vous reçu ma petite culotte? C'est ça? Oui. C'est vous, madame? Ah, ben, il n'y a pas que moi. Bon. Moi et mes collègues. Alors, il n'y en a pas assez. Ah, il n'y en avait pas assez. C'est efficace. Hein. Vous savez que j'en ai fait don. Ah ben oui, on avait demandé. Voilà. C'est fait. Eh ben c'est bien. C'est fait. Bon. Et j'ai reçu récemment une association qui m'a remercié. Alors, j'ai quand même rappelé que j'y étais pas pour grand-chose. Hein. Voilà. Bon, et ça marche, hein. Eh ben, c'est bien reparti. Ben c'est reparti, bonjour, voilà, tout à fait. C'est super. Je connaissais pas. Ah ben, bienvenue à Laval. Voilà. Alors. Et merci encore, hein, madame. Oh, je vous en prie. Bon, et donc, ça veut dire que si vous seriez prête à poursuivre vos envois. C'est ça. Si nécessaire. C'est bon, ça. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée. Tout va bien qui finit bien, Olivier Henno. Finalement, les commerces ont rouvert. Le Premier ministre peut discuter sereinement avec ses entreprises. Voilà, le Covid est peut-être un peu derrière nous. C'est ce que nous apprend cette séquence. Bon, en tous les cas, ça fait du bien de ne pas toujours dramatiser, d'hystériser les choses et de discuter de manière posée. Donc, je n'ai pas beaucoup d'autres commentaire bon, à faire que... Ça n'appelait pas une analyse d'une heure de votre part, mais c'est simplement le signe peut-être... Si ce n'est d'avoir l'adresse pour revenir avec une parure pour ma femme, mais à part ça, C'est à Laval, je ne vois pas forcément Laval, d'autres en Mayenne, utilités que celle-là. Non mais vous avez raison, l'autre enseignement c'est que le Premier ministre a fait don justement à des associations et c'est important de le préciser. Autre image qui nous a amusé en ce samedi soir, cela concerne ce dont on va parler pendant une heure, la candidature ou pas d'ailleurs d'Éric Zemmour, c'est Gauthier Lebret qui va peut-être nous préciser les détails à venir de cette candidature. Mais en tout cas, l'allégorie est assez remarquable. Éric Zemmour, regardez, qui nous fait un Éric Zemmour au bowling. Ah ouais, quand même. Gauthier, vous l'avez suivi ces deux derniers jours, vous le suivez régulièrement, Éric Zemmour, pour le compte de CNews. Bon, on apprend qu'il est fort au bowling. Quand est-ce qu'il va se déclarer? Dites-nous tout. Avez-vous des infos? Avant le 15 novembre, c'est sûr, puisque son entourage répète à l'envi qu'après le 15 novembre, ça deviendrait ridicule. Ce week-end, il nous a dit « Je suis le seul qui peut battre Emmanuel Macron, car je suis le seul qui peut réconcilier la bourgeoisie avec les classes populaires ». Mercredi, au salon Millepol, salon sur la sécurité intérieure, il nous a dit « Je suis dans la présidentielle ». On l'a encore interrogé tout à l'heure à notre micro. On comprend bien que c'est une question, franchement, de jour et que ça se fera donc, encore une fois, avant le 15 novembre, dans les prochaines semaines. Marie d'Armagnac, il est temps, là, que Éric Zemmour se présente. Effectivement, je pense que c'est même plus un sujet, cette fameuse déclaration. Ouais. Effectivement, quand on parle, j'ai suivi un petit peu
ses déplacements en Normandie, il parle comme un candidat, en fait. Alors, effectivement, pour le moment, on voit qu'il ne propose pas de... Enfin, on va sûrement parler, il ne propose pas encore de mesures ou de solutions. Il est dans la phase 1, visiblement, d'une pré-campagne. Il est dans la vision, il a installé très fortement ses propres thèmes dans tout le débat politique. Son propre thème, pourrait-on dire. Non, ses propres thèmes. Oui, son propre thème. Ouais. À ce moment-là, si vous dites que c'est la France, oui. Oui, non, mais c'est ça. C'est sa vision de la France. La préférence nationale et la lutte contre l'immigration, si on résume. Ah, moi, je pense que c'est un peu réducteur. Je pense que c'est vraiment il place ça quand même au niveau d'un débat de civilisation. Et, ouais. Et c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Entre la vision que propose effectivement le camp du progrès, comme on dit. On a du mal avec les étiquettes dans cette campagne présidentielle. Mais c'est sûr, et ça c'est très intéressant. Ouais. Enfin, les étiquettes volent en éclats. Et ça, franchement, ça fait du bien pour le débat politique et le débat intellectuel. Ça, c'est sûr. Et donc, on voit bien que c'est un choc entre deux visions de la France, mais même deux visions du monde. Il y a presque une dimension presque métaphysique, en fait, dans ce début de campagne, entre la vision de la France, de l'homme et de la France, et de l'Europe et du monde, de ce qu'on appelle... En gros, la Macronie, pour dire les choses vite, et ce que commence à défendre et à proposer Éric Zemmour. Et c'est très intéressant. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup encore de mesures. On est encore dans la vision, dans la phase 1, dans le débat d'idées, en fait. Analyse intéressante à ce sujet sur ce plateau, à votre place tout à l'heure, celle du philosophe Michel Onfray, qui connaît bien Éric Zemmour pour débattre régulièrement avec lui. Et selon Michel Onfray, il manque justement peut-être la phase 2 qui arrivera sans doute après la candidature, sans doute dans le mois de novembre. Écoutez ce que disait Michel Onfray au sujet de cette vraie fausse candidature d'Éric Zemmour. La civilisation à venir, elle est là, elle est en train de se faire ici. Elle va pas se faire avec Zemmour qui va restaurer la France. Hein. On n'en est pas là. Et moi, je ne pense pas que la question des prénoms, du voile, ce soit ça, vraiment... Ça, c'est secondaire. Oui. Je trouve que quand on fait référence au général de Gaulle, on essaie de chercher ce qui réunit. On ne trouve pas ce qui sépare et ce qui divise. Et l'option gaullienne n'est pas chez lui. Il manque un pan dans cette candidature, William Tay, à Éric Zemmour. Le volet social, hein, c'est ce qui lui est souvent fait comme reproche. Je ne pense pas que ce soit ça qui lui manque, en fait. Éric Zemmour est sur un projet pour l'instant de conservation de la civilisation, donc il est sur un aspect plutôt défensif. En fait, il est contre et puis il appelle à un retour du passé. Mais en fait, la difficulté qu'a Éric Zemmour, c'est qu'il lui manque la capacité de projection. Quand on prend l'historique et des références qu'il est en train de citer, donc le général de Gaulle, Louis XIV, Richelieu, etc., ils ont toujours eu deux grands... N'oubliez pas Napoléon, vous allez le vexer. Et Napoléon, il y a toujours eu deux grands volets. Le volet de conservation de la société et le fait de projeter, de restaurer la place de la France dans le monde. Et aujourd'hui, on ne comprend pas et on ne sait pas comment Éric Zemmour, même s'il déclare l'intention de le faire, comment il pourrait le faire matériellement parce qu'il n'y a pas de volet programmatique. Est-ce que c'est préjudiciable pour l'instant? Non, parce qu'on est actuellement dans une pré-campagne et il est dans un aspect de déclaration et d'intention et de décliner sa vision de la société. Mais malgré tout, dans le fait qu'il décline sa vision, il lui manque des aspects qui sont importants sur l'aspect de comment restaurer la compétitivité économique de la France, notamment par rapport à l'Allemagne, et ce qu'avait fait François Fillon en 2016 en proposant un programme de redressement productif assez important. Éric Zemmour a dit qu'il proposerait des baisses de dépenses publiques, mais on ne sait pas de quelle intensité, on ne sait pas comment il ferait pour restaurer la compétitivité française. Et ensuite, sur la question, il lui manque une autre question clé, c'est la question de vision de la société pour les individus en eux-mêmes. S'il exprime une vision macro sur la France, il n'exprime pas quelle serait sa vision de la société, notamment comment il ferait sa fameuse contre-révolution à mai 68. Mai 68, il est interdit d'interdire. Aujourd'hui, Éric Zemmour fait un appel en disant que c'était mieux avant, mais il ne décrit pas comment ce serait mieux plus tard, et notamment au XXIe siècle dans la France. Et puis, il y a le troisième enjeu qui est la question de la place de la France à l'international. Le général de Gaulle avait réussi, notamment en comparaison à Napoléon, à accepter le déclin français, notamment en opérant ce qu'on appelle la décolonisation et opérer un retrait stratégique de la France de l'OTAN pour faire la France une puissance d'équilibre entre les États-Unis et l'URSS. Actuellement, nous vivons une deuxième guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Quelle est sa conception dessus, hormis s'allier avec la Russie? Parce que s'allier avec la Russie, ça veut dire s'allier implicitement avec la Chine, dans la mesure où la Russie est arrimée désormais avec la Chine. Et je ne pense pas que l'Union européenne, et y convaincra ses partenaires européens de le faire. Donc je pense qu'il manque des volets importants, même s'ils ne sont pas des volets programmatiques, je pense qu'il y a des imprécisions. Et puis après, il y a un dernier point, c'est sur sa conception de la présidence de la République. Il dit qu'il veut revenir à une conception de président de la République à la générale de Gaulle, donc en décrivant des grandes pensées, des grandes lignes directrices. Mais ce qui a changé par rapport à 1958 et 1969, c'est qu'il y a le quinquennat. Et en fait, Éric Zemmour pense qu'il faut revenir à une ancienne conception de la politique, notamment avec un président de la République en retrait. Mais ce qui impose un président de la République qui soit en contact, et notamment, c'est ce qui avait changé avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron voulait faire la même chose que lui. Il appelait ça le maître des horloges. Ça a duré six mois. Mais pourquoi est-ce qu'il est parti au contact? C'est pas
parce qu'en fait, vous avez une concordance entre l'élection présidentielle et l'élection législative, et le président de la République n'est pas uniquement l'incarnation du chef de l'État, mais il est implicitement, même si c'est faux juridiquement, le chef du gouvernement, et c'est auprès de lui que les Français vont, et c'est ce qui s'est passé lors des Gilets jaunes. Ils sont montés à Paris, non pas pour parler au Premier ministre, mais pour parler au président de la République, parce que c'est le président de la République qui décide, en fait, et qui mène la politique de l'exécutif. Olivier Henault, comment est-ce que vous analysez le fait qu'Éric Zemmour soit si haut, si vite dans les sondages, et notamment dans l'enquête menée par le CVPOF auprès de 16 000 personnes, ce qui n'est pas rien comme panel. On a l'habitude de commenter des sondages réalisés auprès de 1 000 personnes seulement. Il est donné au second tour dans quasiment toutes les hypothèses. Et pourtant, et comme le rappelait William Tay, et comme le rappelle Michel Onfray, il manque 95% de son programme. Il ne parle simplement que de sa vision de la France et du retour à ce que disait William Tay, à un gaullisme peut-être aussi fantasmé de sa part. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est de la faute quelque part de la classe politique qui ne sait pas répondre aux attentes des Français? D'abord, moi, je fais pas de Zemmour bashing par principe. Déjà, j'y vois un avantage. C'est la première fois qu'on aura à la droite de la droite une forme de compétition. C'est pas arrivé dans l'histoire de la Ve République. Il y avait Maigret Le Pen. Oui, mais enfin, elle n'a pas existé vraiment. Tandis que là, Là, il y a un vrai match. Je suis d'accord avec vous. Il y a un vrai match. C'est quand même un événement en soi. Hein. C'est-à-dire que le dégagisme fonctionne aussi à la droite de la droite, d'un certain point de vue. Donc ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose aussi, c'est que ça a une conséquence, c'est que le deuxième tour est très accessible finalement, hein, peut-être 16, 17, 18%. Après, je pense que c'est aussi parce que nos institutions sont un peu malades. Le quinquennat, les élections législatives. Moi, ce qui me frappe, vous voyez, je suis élu local depuis un certain temps, c'est que il y a une déconnexion presque totale entre les élections locales, territoriales, l'élection présidentielle, l'élection législative. Ouais. On vient d'avoir les élections régionales, d'un certain point de vue. Moi, je suis UDI, LR, UDI ont bien résisté. Oui. Et pareil au municipal. Mais vos incarnations nationales ne l'emportent pas. Ça n'a pas de traduction. Alors qu'auparavant, dans l'histoire de la Ve République, il y avait bien évidemment un dialogue entre une femme ou un homme et le peuple. Mais il y avait aussi une construction. C'était important d'avoir des élus locaux, d'avoir l'histoire de François Mitterrand, l'histoire de Jacques Chirac, l'histoire de Valéry Giscard d'Estaing. Enfin bref. Et là, on a quand même l'impression qu'il y a une déconnexion. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, et j'en finirai là, c'est que l'objet de l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre une personne et le peuple, mais c'est aussi de fixer un cap, de fixer un horizon, d'avoir une légitimité renforcée. Et d'un certain point de vue, Emmanuel Macron, ça a été ça très peu de temps. Regardez aujourd'hui la politique d'échec, on voit bien la fragilité. La légitimité, elle n'existe pas. À la fin, les Français doivent dire, excusez-moi de l'expression, merci beaucoup. Quoi. Ouais. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, la grande question de l'élection présidentielle, c'est un cap, une légitimité et la capacité d'agir pour l'intérêt général et le bien commun. Et est-ce qu'on l'aura à l'issue de cette élection présidentielle? C'est pas sûr, si on en reste sur l'image. Et au-delà des fractures familiales, c'est un peu ce que dresse comme constat Marion Maréchal, qui s'est exprimée dans une interview au sujet d'Éric Zemmour. Et vous allez lire cette déclaration de Marion Maréchal. Elle dit simplement qu'il représente la majorité silencieuse qu'il a trop longtemps été. Gauthier Lebret, les vrais gens, qu'est-ce qu'ils lui disent à Éric Zemmour? Pas seulement ceux qui viennent dans les meetings, mais j'imagine qu'ils croisent aussi des gens, cette possible majorité silencieuse. Il incarne, dit encore Marion Maréchal, une préoccupation majeure présente chez une majorité de Français. On va retrouver la phrase dans quelques secondes de Marion Maréchal, s'il vous plaît. Voilà. Il remet une préoccupation majeure présente chez une majorité de Français, le fait qu'il y ait trop d'immigration. Qu'est-ce que lui disent les gens qu'il croise, Gauthier? Les gens que je croise là-bas sont déterminés à voter pour lui. Vraiment, très majoritairement, on dit, il y a quelques curieux qui viennent, ils ne savent pas. L'extrême majorité sait pour le moment qu'elle va voter pour lui. Et ces gens-là lui disent des phrases très fortes. Par exemple, on entend beaucoup « Sauvez-nous, sauvez-nous ». Mais pas que dans les meetings, on est d'accord. Pas que dans les meetings, dans les séances de dédicaces. Ah oui, d'accord. Après les meetings, oui, parce que dans les meetings, forcément. Mais après les meetings, dans les séances de dédicaces, dans la rue, il y a moins de séquences comme ça. Il prend souvent sa voiture, enfin, il y a moins de séquences. Il va pas au contact de moins. Aujourd'hui, il l'a fait. C'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, il l'a fait. Il est allé voir un boucher, puis il a marché jusqu'à la mairie. Mais c'est rare, c'est assez rare. À Ajaccio, ça devait avoir lieu. Ça a été annulé parce qu'il y avait une manifestation antifasciste. Donc c'est plutôt au moment des dédicaces.
dédicace que les gens... Ça, bien sûr, c'est un public conquis qui va le voir, Éric Zemmour. Mais ce qui est intéressant de voir dans une campagne présidentielle, et vous allez sans doute le voir au fil des déplacements d'Éric Zemmour, c'est qu'est-ce que lui disent les gens qui ne sont pas forcément venus au contact. Et est-ce qu'il y va au contact aussi? C'est un élément qui sera intéressant. Il y a assez peu d'interactions avec les gens dans la rue. C'est vraiment dans ces dédicaces. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans la prochaine partie de Soir Info dans quelques minutes pour continuer d'évoquer cette vraie fausse candidature d'Éric Zemmour. Restez bien avec nous sur CNews. Et bienvenue à vous dans la dernière partie de Soir Info Week-end. Merci d'être avec nous en ce samedi soir. Gauthier Lebret est toujours avec nous, membre de la rédaction et du service politique de CNews, William Thème, Marie d'Armagnac et Olivier Hénault. On poursuit nos débats sur Éric Zemmour. On va peut-être entendre celle dont on a parlé longuement dans la première heure, William Thème, la candidate du Parti Socialiste. Elle aussi s'est mise évidemment au Zemmour bashing lors de son meeting d'investiture à Lille. Écoutez ce que dit la candidate, la maire de Paris, la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo. Il va falloir aussi, et ça je reprends les propos de Martine Aubry, que les médias considèrent que la présidentielle n'est pas un match de boxe dans lequel on passerait tout aux propos, y compris qui peuvent être mis en cause devant la justice. Ce n'est pas de l'injure, ce n'est pas être là à agresser verbalement et à dénigrer ses adversaires, c'est porter un projet et convaincre les Françaises et les Français. C'est ce qu'on va faire. J'ai dit Zemmour bashing, en fait c'était un média bashing, c'était pas exactement la bonne appellation. William Thème, c'est la bonne stratégie, là c'est Anne Hidalgo, mais effectivement ils l'ont tous fait, accuser les médias de parler d'Éric Zemmour en permanence. Vous êtes témoin, aujourd'hui on a parlé d'une heure, pendant une heure d'Anne Hidalgo, on parle...